Le message est affiché à tous les coins de rue du Blanc-Mesnil. Un événement estival destiné à tous les habitants est annulé. Précision en lettres rouges sur l'affiche pour réparer les dégâts commis par les émeutiers. Sur ce marché, la plupart des habitants se disent déçus par cette mesure. Pour les enfants qui restent et qui ne peuvent pas partir, c'est triste. Oui, c'est voilà, triste. En fait, c'est juste voilà, parce que eux sont pénalisés pour, bah, pour tout ce qui s'est pour, passé. Pour ce qui s'est passé, ils après, sont pour rien. Qui... Ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, qui profitent voilà, de ça, c'est eux qui seront punis. Je comprends la mesure du maire. En même temps, ben, ça pénalise d'autres personnes, en fait. Cette commune de Seine-Saint-Denis porte encore les traces des violences urbaines. Ici, les réparations sont estimées à 600 000 euros et l'annulation de cet événement permettrait de récupérer la moitié de ce montant selon la mairie. Le président de la majorité municipale assume totalement cette mesure qui pénalise toute la population. C'est aussi aux grands, aux familles, de leur dire « Eh les gars, stop, c'est fini, il faut s'arrêter parce qu'on est tous pénalisés par vos bêtises. » Vous avez aujourd'hui 25% des ménages qui acquittent l'impôt au Blanc-Mesnil, qui payent l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, et donc ça devient trop lourd, c'est beaucoup trop lourd pour eux et ils ne veulent pas faire plus. L'opposition municipale de gauche dénonce quant à elle une sanction collective et une double peine pour les classes populaires du Blanc-Mesnil.